écoutez. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 23 décembre. Ravi de vous retrouver dans TSA Direct. Nous avons avec nous ce matin notre ami cinéaste et producteur Bachir Darais. Bonjour Bachir. Bonjour Faisal, bonjour aux lecteurs et aux auditeurs de TSA. Oui, parce qu'on a aussi même des téléspectateurs. Téléspectateurs, c'est la nouvelle technologie. TSA Direct est sur le site de TSA, sur Facebook et sur YouTube. Ce matin, vous l'aurez compris, mes amis qui ont suivi un peu le dossier du film Arab ibn Mehdi, le film que les Algériens n'ont pas encore vu. Il y a toute une polémique depuis déjà septembre, août. Depuis août, on se dirige vers les 6 mois maintenant déjà. Ça va les 6 mois. Alors, on peut commencer, Bachir, tout de suite, pour comprendre où en est-on aujourd'hui, ce dimanche 23 décembre, où en est-on avec ce dossier de l'Arab ibn Mehdi? Le dossier, il est ce qu'il était en mois d'août. Parce que avant le 5 juillet, j'ai déposé une copie de travail au ministère des Moudjahidines, oui, comme stipule le contrat. D'accord. Pour visionnage et voir si les partenaires étaient contents, étaient satisfaits. Et là, quand je dépose le film, je reçois tout de suite une notification. C'est signé le 2 septembre. Qui m'interdit toute exploitation de films à titre privé, commercial, diffusion. La notification est venue du Centre national de... Oui, une notification datée de 2 septembre 2018. Oui. Donc aujourd'hui, quand on dit qu'on n'a pas interdit, si, il y a une interdiction. Le film est interdit de diffusion. Oui, il y a une notification datée du 2 septembre, oui, que j'ai reçue, qui m'interdit toute exploitation, projection de ce film avec cette version. Il y a une explication. Ils donnent une explication. Ils disent qu'il y a, il y a 45 réserves. 45 réserves sur le film. 45. Pour le contenu du film. Donc il y a des réserves sur 45 séquences. Et le film, il contient presque 80 séquences à peu près. C'est presque la moitié. C'est la moitié, c'est 65%. Des réserves de quel genre, pour qu'on comprenne? Il y a des réserves d'ordre historique. Oui. Il y a des réserves d'ordre cinématographique. Par exemple? Ils disent le décor, un tel décor par exemple ne ressemble pas au décor initial. Par exemple, dans les fermes à l'époque de Hamila, il y avait moins de verdure. Toi, tu avais beaucoup de verdure. Donc, c'est des choix cinématographiques pour le film que nous avons fait volontairement. Une autre réserve. Par exemple, l'un des traîtres qui a balancé l'os n'était pas... assis à l'avant de la voiture, était assis à l'arrière de la voiture, c'est ce que j'appelle comme ridicule. C'est des détails. Ben Mehdi, celle qui devait être la fiancée de Ben Mehdi n'était pas habillée comme ça, elle était conservatrice, toi tu l'as habillée de manière moderne, elle ne conduisait pas le vélo, toi tu as des choses comme ça, des choses... Ça rentrait dans les détails. Dans les détails, donc c'est pour ça que moi je me suis énervé. À la limite, j'ai accepté les remarques d'autres historiques, que j'ai corrigées d'ailleurs. Quand on me dit non, cette réunion ne s'est pas déroulée le 3, mais le 12, oui, c'est pas grave. Oui. Même si on l'a fait volontairement, c'est pas une erreur. Par la chronologie du scénario, des fois, on est obligé d'arranger les choses. En plus, c'est un film de fiction. Mais malgré ça, j'ai accepté. Ouais. Il m'a dit non, la réunion du 22, elle s'est déroulée telle date, il faut la mettre telle date. Mais allez, j'ai accepté. La grève de 8 jours, par exemple, elle devait se dérouler de telle date à telle date, on a respecté. C'est pas grave, même si c'est pas une erreur. Je leur ai expliqué, c'est pour le scénario, parce que ça a arrangé la construction du film. Oui. Mais bon, mais ça les a dérangés. Je négocie pas l'aspect historique. Vous avez droit. Vous voulez que je respecte intégralement, je respecte. C'est cette histoire de séquence avec Ben Bella, etc. Oui, elle fait partie de l'élite. Elle est dans le film. Elle est dans le film, oui. Oui. Et on vous a fait des remarques sur ça. Oui. Je pense que c'est la séquence qui fait plus polémique. Oui. Parce que les historiens des Moudjahidines disent qu'elle n'a pas été authentifiée, n'a pas été classée. Il y a des témoignages à gauche et à droite, mais nous, on n'a pas reconnu ça officiellement. Sauf que moi, j'ai des témoignages que j'ai filmés qui me parlent de cette scène. Qui parlent de Oui. Moi, j'ai pas tourné j'ai mis juste une altercation. Une altercation. Je voulais pas aller au bout parce que je sais rien, mais j'ai des témoignages. Aujourd'hui, j'ai des témoignages, mais des témoignages qui ne sont pas reconnus au niveau du ministère, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas officiels. Ouais. Et ça, c'est un point de litige aussi. Je leur ai dit, pourquoi je dois me baser que sur ce qui est officiel? Et les témoignages qui ne sont pas officiels, on fait quoi? Parce qu'eux, ils s'appuient sur la loi sur le cinéma. Ouais. De 2011, exact. Ils disent que pour les faits d'histoire, il faut toujours revenir à l'histoire. Il y a beaucoup de litiges. Il y a beaucoup, par exemple, le litige sur...
sur l'association des ulama. Il y a quand même Boudiaf, il y a une déclaration de Boudiaf qui est sur le net aujourd'hui, qui parle, qui revient sur cette histoire. Donc, si on doit considérer Boudiaf comme quelqu'un qui n'est pas fiable, c'est grave. Si on doit considérer Thalbi, qui me raconte, que j'ai filmé d'ailleurs, qui me raconte la scène avec Ben Mehdi et Ben Bella, si on ne doit pas c'est-à-dire, écouter Thalbi, c'est grave. C'est quelqu'un de reconnu. Il a, tout le monde sait qu'il a collaboré avec Abban, avec Boussouf, avec Ben Mehdi, avec Boudiaf. Il est vivant. Mais la question qui se pose, c'est que quand un film, il est financé à combien de pourcentage par le ministère de Moudjahidine? Il est à 29%. 29%. Mais la loi, c'est la loi. C'est-à-dire, oui. Il y a aussi la loi de. C'est-à-dire, le problème, c'est la loi qui, même s'il n'est pas financé, oui. On est soumis à cette loi. C'est-à-dire, même si Ben Mehdi était produit par un privé, oui. On aurait eu le même problème. Pour les questions liées à l'histoire. Oui. Donc, mais quand le film est personnellement financé par Moussa Moudjahidine, peut-être Moussa Moudjahidine voudrait avoir sa propre vision dans le film ou la vision. Par rapport à l'histoire, doit être. Mais dans ce cas-là, je comprends. Quelle liberté il a le cinéaste en pareille situation? Non, là, dans ce cas-là, moi, je peux donner raison, Moudjahidine. Dans ce cas-là, oui. Il ne faut pas accepter la coproduction, oui. Comme ils l'ont fait pour d'autres films. Oui. Et tous les films que Moudjahidine a produits, c'est un producteur. Oui. Il y a un producteur exécutif, par exemple, Bamboulaïd, Kirim Belkacem, l'autre fille, il y a d'autres films. Eh bien, ils sont producteurs. Je développe le scénario, moi-même, j'engage un réalisateur et j'engage le producteur exécutif, et vous faites le film, vous êtes payé. Au revoir. Et dans ce cas-là, quand on veut imposer son point de vue, on n'accepte pas la coproduction. Oui. On n'accepte pas une coproduction à 29%. À la limite, on dit, moi, je veux 70%, 80%. Et dès le départ, comment? C'était dès le départ le 29% pour le ministère de Moudjahidine. Comment ça s'est passé? Non, mais de toute façon, la coproduction, dès le départ, c'était une coproduction. L'ancien ministre du Moudjahidine, chez Chérif Abbas, avec son secrétaire général, au départ, il voulait produire le film. C'est moi qui refusais. J'ai dit, moi, je dois garder une partie. Parce que je le savais. Il voulait produire à 100%. À 100%. Ouais. Et il voulait donner plus d'argent. Et je leur ai dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je dois garder. Vous avez intervenu pour justement vous garder une. Bien sûr, c'est pour ça que le film a traîné. Le film, il aurait pu être tourné en 2012, 2013. À cause des contrats qu'il fait. Mais moi, j'ai refusé. J'ai dit, moi, je n'accepte pas. Je ne lâche pas les droits. Moi, je dois garder une partie pour me protéger. Vous avez combien dans le film? Aujourd'hui, nous sommes à 25%. Donc 25% vous, 29% ministère, et le reste, le ministère de la Culture. La Culture et les sponsors. Et les sponsors. Ils sont combien, les sponsors? Les détails, bon, grosso modo, le ministère de la Culture, c'est le majoritaire. 45%. Voilà, 41%, 42%. Ouais. Oui. De toute façon, le pourcentage, il va être redéfini une fois le film fini, parce qu'après, il y a des sponsors qui n'ont pas honoré, il y a d'autres qui rentrent. Donc, le pourcentage final, mais on est autour de ça. Il est à combien le financement du film? Aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 600 millions de dinars, 60 milliards de centimes. 60 milliards de un peu centimes. Plus, parce qu'il y a beaucoup de sponsors aujourd'hui qui n'ont pas honoré leur contrat. On devait être à 80. Mais comme les sponsors, beaucoup de sponsors n'ont pas honoré leurs engagements, comme on est dans un pays que tout le monde connaît. Et il y a déjà, nous sommes en justice contre certains. Contre qui, par exemple? Par exemple, Algérie Télécom. Nous sommes déjà en procès. Nous sommes en procès. Ils sont engagés à combien? 20 millions de dinars. Ouais, mais ils n'ont pas versé. Ils n'ont pas honoré parce qu'ils disent que donc on ne paye pas tant que le film n'est pas agréé par l'État algérien. Donc il ne finance pas parce que il me dit oui, le film n'est pas encore accepté, donc nous, on ne finance pas. Ah, d'accord. Ce qui va créer beaucoup de problèmes pour le film. Parce que... Mais quand on a, par exemple, 29%, 41% ministère de Moudjahidine et le ministère de la Culture, est-ce qu'on a un droit de regard sur le film? C'est presque 60% du film. Oui, on peut avoir un droit, pas un droit de regard, mais un droit de regard, bien sûr, qu'on peut négocier, mais pas un ordre. Ouais. Ce qui pose problème, c'est les questions d'ordre, c'est-à-dire surtout le ministre de la Culture, parce que le ministre de la Culture, il est en train de parler comme un chef. Ouais. Comme un chef, tu fais ça, alors que moi, je ne travaille pas pour lui. Ma société, elle est coproductrice. C'est pas un film de commande. Je ne suis pas un producteur exécutif. Il n'y a aucun article dans le contrat qui dit que je suis producteur exécutif. Parce que lui, il dit que vous êtes ministre de producteur exécutif. Non, je ne suis pas producteur exécutif. Ça, c'est faux. Ouais. Les contrats sont là. Vous pouvez les vérifier. La prochaine fois, quand il veut me présenter comme producteur exécutif, j'espère qu'il ramène les contrats. Il dit, moi, je n'ai pas de contrat. Ouais. On a chaque déclaration, je revérifie. Peut-être il a raison. Il n'y a pas de... Donc vous êtes réalisateur. Et pour la simple raison qu'il ne peut pas être producteur du film, ministre de la Culture, parce que le ministre de la Culture, il est rentré en retard. Oui. Le film, il avait déjà démarré. Oui. Donc on ne peut pas se dire on est producteur des films. Vous êtes coproducteur. Mais il est à 41%. Oui, il est coproducteur majoritaire, je reconnais. Oui. Mais c'est quoi le contrat de coproduction? Oui. Le contrat de coproduction, c'est des parts. Bien sûr qu'on peut avoir un droit de regard. On peut. Mais il y a une manière de pas comme ça. Pas comme ça. D'ailleurs, la première fois que j'ai appris que le film était interdit, je l'ai appris sur Twitter.
Le tweet du ministre de la Culture. Voilà. Oui. D'ailleurs, c'est ça qui est le problème. Moi, j'étais en vacances. Moi, j'ai déposé une copie au ministère des Moudjahidines. J'ai dit, voilà, je vais me reposer quelques jours. Et au retour, on se réunit. On va... Moi, je pars en vacances, je découvre sur Twitter que la presse, d'ailleurs, quand j'apprends par la presse que le film, déjà, c'est pas classe. C'est pas classe de... Il y a des contrats, nous sommes des sociétés. Il y a une manière d'informer le producteur, le réalisateur. Le réalisateur n'a pas à apprendre ça dans la presse. Est-ce que à qui appartient le film, en fait? À nous tous. Il appartient à vous, au ministère de la Culture? À nous tous, oui. À nous tous. Même les producteurs, même les sponsors. Les sponsors, ce n'est pas des sponsors classiques. Des sponsors avec intéressement, ils ont des pourcentages. Oui. Moi, c'est pas un parrainage comme ça. De la Sonatrach, par exemple, ils ont 1,6%. Du film. Civital, ils ont, par exemple, 0,1%. C'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent avec des... La Sonatrach, elle a un pourcentage sur les recettes à l'étranger. Sur les recettes en devise. Dans la situation actuelle, c'est la situation continue. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'on m'a dit que le 2 janvier, vous avez un rendez-vous avec le CADC, qui est le Centre algérien de développement du cinéma, c'est vrai? Non, j'ai rendez-vous avec le CADC, ils sont de recherche. Ils sont de recherche. Là, par exemple, on s'est revus il y a une semaine. Ouais. On a revu les réserves. Il y a beaucoup de réserves qui ont été réglées. Tout ce qui était lié par rapport à l'histoire et tout ça, je l'ai réglé. J'ai fait des efforts. Eux, il y a une semaine, ils ont encore fait des efforts. Ils ont aussi accepté de balayer certaines réserves. Donc il y a des négociations. Oui, il y a des négociations. Donc maintenant, on va voir le 2. Je vais essayer de faire des efforts. Donc il y a une réunion le 2 janvier. Oui. Le 2, le 3, on verra après le premier janvier. Donc moi, je vais faire des efforts. Je ne suis pas de mauvaise foi. Je vais faire ce que je peux faire. Quand je dis je vais faire, c'est pas exécuter. Je vais voir des choses qui peuvent se faire sans toucher au film. Parce qu'avant tout, il y a le film. Il y a un montage du film. La structure du film. Et la structure. Et dès que des fois on touche une scène, pour eux, c'est facile, tac, parce que ça vous gêne. Mais vous avez coupé des scènes ou pas? Non, j'ai pas coupé des scènes. Aucune scène? Non. Moi, je coupe pas des scènes sur question de principe. J'arrange. Vous gardez tout? Oui, j'arrange. Moi, je comprends les craintes et les je comprends les je les comprends. Oui. Mais j'arrange les choses. Arranger, c'est-à-dire? J'arrange. J'essaye d'être. Si je vois une scène violente, j'essaie de l'arranger. J'essaie de la rendre moins violente. Et trouve que la scène Bambela Benmehdi est un peu trop violente. J'ai essayé d'arranger un peu, de l'adoucir un peu pour que ça choque moins. Voilà, mais j'ai pas coupé. J'ai coupé, c'est des choses, des erreurs, effectivement, c'est des erreurs historiques et tout ça, je coupe. J'ai coupé, ça m'est arrivé de couper. Des erreurs historiques dans les dates? Dans les dates. Ça où je juge, je ne suis pas de mauvaise foi, je reconnais qu'il y a certains trucs, ils avaient raison, que j'ai fait. On n'est pas là pour bloquer, on est là. Vous savez, moi, ça fait 5 ans que je suis sur ce film, je n'ai rien fait d'autre. Oui. Donc je veux que ce film soit mis à... Vous vous concentrez sur le film? Oui. Non, surtout qu'il y a beaucoup d'acheteurs. J'ai été la dernière fois au Moyen-Orient. Il y a un producteur libano-américain qui est prêt à le distribuer dans toutes les télévisions du monde arabe. Donc je suis parti à Beyrouth. En France, il y a un distributeur. Il y a en Europe, il est très demandé. Même en Algérie, la première fois, je reçois des demandes. Même au Canada, les Algériens des communautés veulent organiser. Donc pas plus d'hier, j'ai reçu une invitation d'une association au Canada, aux États-Unis, qui veulent voir ce film. Si la situation reste telle, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que le film sortira, sortira pas en 2019? Moi, je pense que le film va sortir. On peut pas. Le film, il est tourné. On peut pas passer à autre chose comme ça. Moi, en tout cas, personnellement, je peux pas passer à autre chose. Donc, il y a possibilité de trouver un terrain d'entente avec le ministère? Non, mais on doit trouver un terrain d'entente. Moi, je pense que on doit trouver un terrain d'entente d'une manière ou d'une autre. S'il y a un problème, si ça bloque, je ferai appel aux autorités. J'ai écrit au Premier ministre. Il vous a répondu ou pas? Mazal, il n'a pas encore répondu, mais c'est récent. Ouais. Donc, comme je l'avais fait, parce que le film a été bloqué en 2016. Vous avez demandé quoi au Premier ministre? Je demandais que... J'ai expliqué la situation, ce statu quo. J'ai dit que si on n'arrive pas à s'entendre avec le ministre de la Culture, par exemple, surtout avec le ministre de la Culture, parce que le ministre des Moudjahidine, il a laissé faire ses cadres. Ouais. C'est ça la différence entre les deux ministres. Taïb Zitouni s'est retiré. Il a laissé les spécialistes, il a donné instruction aux spécialistes d'étudier l'affaire. Donc, essayez de faire des efforts, ne fermez pas les portes, allez jusqu'au bout. Il est pas bavard sur les médias. C'est le ministre de la Culture qui parle. Le ministre de la Culture qui parle.
D'ailleurs, voilà. D'ailleurs, même quand j'ai dit, moi, quand je parle de Moudjahidin, vous avez remarqué la dernière fois, je me suis adressé au Moudjahidin, c'est lui qui a répondu. Il y a une deuxième chose aussi qui est très, très importante. D'ailleurs, même les étrangers l'ont remarqué. Ils me disent, vous avez un contrat de coproduction avec les films de la source, votre société, le CADC et le centre de recherche. Oui. Les trois, c'est trois sociétés épiques, sauf la mienne qui est assez réelle, mais eux, c'est épique. Ils ont des directeurs généraux, nommés par décret présidentiel. Pourquoi c'est le ministre qui parle? Ça, beaucoup d'étrangers me l'ont remarqué. Parce que vous n'avez pas de directeur général? Pourquoi c'est le ministre qui parle au nom d'un directeur général du CADC, par exemple? Ou il parlait au nom de la directrice générale qui était avant? Voilà. Pourquoi? Vous pensez qu'il y a un conflit personnel avec le ministre? Je ne sais pas, mais pourquoi est-ce qu'il peut répondre? Pourquoi il ne laisse pas le directeur général qu'il a nommé lui-même s'exprimer? Dernièrement, Bachir, le ministre de la Culture, a dit que le film, c'est la RATSA, a déclaré que le film Abdelmehdi n'est ni à vendre ni à acheter. Parce que vous avez annoncé vous-même sur Facebook qu'il y a des hommes d'affaires algériens et ici à l'étranger qui sont prêts à rembourser le ministère de Moudjahidine pour pouvoir faire sortir le film. Aujourd'hui, il y a des organisations. Qu'on comprenne. Qu'on comprenne. Aujourd'hui, le film, il est bloqué. Oui. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont organisés. Il y a même des appels sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Okay. Oui. Bijaya, partout. Oui. Donc il y a un groupe d'industriels qui il y a quelqu'un, il ne veut pas être cité parce qu'il veut le faire comme ça, à titre. Il a appelé une centaine d'industriels dans le monde. Des Algériens ou des Algériens, des Algériens. Oui. Il m'a fait une proposition. Il m'a dit, voilà, la somme là, qu'on doit rembourser, elle est réunie. Oui. Voilà, donc... Et que prévoit la loi en pareille situation? Est-ce que c'est possible de racheter une part d'un ministère? Non, il n'y a aucune loi dans ce sens. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Il y a un vide juridique. Mais de toutes les façons, si on arrive à une situation de blocage, l'un des partenaires doit racheter les parts des autres. C'est écrit dans le contrat? Bien sûr. Oui. Moi, par exemple, mes parts dans ce cas-là, si le film est bloqué, si le film il est bloqué d'une manière officielle, il va falloir négocier mes parts, notre investissement. Les 5 ans que nous avons investis dans le film. Vous avez investi combien du film? Nous avons investi 25%. 25%. Et d'abord, j'ai dit au ministre de la Culture, quand on est producteur exécutif, c'est-à-dire il y a un contrat de producteur exécutif, le producteur exécutif, il touche 10%. Oui. Vous dites que vous n'êtes pas producteur exécutif. Non, je ne suis pas producteur exécutif. Ouais. Même mon contrat de réalisateur, j'ai pas de contrat de réalisateur, il est dans le film. Je l'ai pas touché. J'ai pas touché de cachet de réalisateur. Donc on peut pas dire que. Il est à combien le cachet de réalisateur? Le réalisateur, ça dépend de. Ça varie de 5 millions à 30 millions. Ça dépend. Ça dépend du projet. Ça dépend de. Quand on fait un film contemporain on a un an de travail, c'est pas comme un film de 3 ans. Ouais. Et puis ça dépend C'est vrai que cette histoire, on a dit que les décors en Tunisie ont pratiquement absorbé 25% du budget du film. Est-ce que c'est vrai ou pas, cette histoire? Les décors en Tunisie, de toute façon, le film a été tourné à 80% en Tunisie. En Tunisie. Voilà. Décors intérieurs, extérieurs. Bien sûr. Oui. Tout, par exemple, les Biskra, les ruelles et tout ça ont été reconstruites en studio. Oui. Et 25%, c'est pas beaucoup pour le film d'époque. Oui. Quand 25%. On a construit carrément les décors. On a construit, et puis on n'a rien en Algérie, contrairement à l'époque. Même les costumes, on les a pas. Il n'y a pas en Algérie de décor. Il n'y a pas les costumes. Il n'y a pas les costumes d'époque. Les costumes militaires qu'on donne les spectateurs ont dû remarquer un peu les autres films, mais ce n'est pas les tenues de l'armée française, c'est les tenues de l'armée algérienne. Ouais. Ce n'est pas du tout les mêmes. Ce n'est pas crédible. Les accessoires, on n'en a plus rien. Donc tout ça, nous, on les alloue à l'étranger. Ouais. Que ce soit en Tunisie, que ce soit en France, on a loué 2 semi-remorques de costumes et d'accessoires de France pendant une année. Donc c'est normal qu'un film... C'est quoi un film d'époque? Un film d'époque, la première des choses, avant d'arriver au scénario, au jeu d'acteur, mais la première image du film, on voit le décor et les costumes. C'est ça qui nous donne la crédibilité d'un film d'époque ou pas. C'est d'abord la reconstitution. Si on n'est pas le public dès la première minute, s'il n'est pas convaincu par le décor et les costumes, déjà, il lâche le film. Oui. Et le Abdelmehdi, est-ce que c'est un film biopic ou est-ce que c'est l'histoire de... d'un moment des mouvements nationaux? Non, c'est un biopic. Comment a été construit? C'est un biopic. Oui. C'est un biopic. Ben Mehdi, c'est une fiction inspirée de la vie de Ben Mehdi.
Inspiré de la vie, oui. C'est inspiré à 95% de la vie de Mehdi. Donc dans le film, 95% dans le film, ouais. C'est Ben Mehdi. Pour Bachir, il y a eu aussi un débat sur le scénario. Parce que le ministère de la Culture dit que ce n'est pas le scénario original. Vous-même, vous avez dit que vous avez changé modifié le scénario qui a été écrit à l'origine par Mourad Boulboul, réécrit par Olivier Gors et Abdelkrim Behloul. Qu'est-ce qui s'est passé mal l'histoire du scénario Oui, j'essaie d'expliquer exactement cette histoire pour qu'on ne parle plus de cette histoire du scénario. Ouais. Le film, Ben Mehdi, l'idée du film a été déjà initiée en 2006. En 2006, ouais. D'accord. Donc on est loin des manifestations. Ça fait 12 ans. Et quand je dis en 2006, il y a des témoins. Ouais. Il y a le réalisateur Abdelkrim Behloul. Oui. Qui est là, qui est vivant, qui peut témoigner le jour où vous l'aurez, parce qu'il va bientôt sortir un film. Ah, oui. Vous l'aurez sûrement sur vos plateaux. Inchallah. Vous le poserez la question. J'ai proposé l'écriture du scénario à Abdelkrim Behloul en 2006. Saïd Abaïda pour Abdelkrim Behloul. Oui, Saïd Abaïda. Donc je lui ai proposé d'écrire le scénario en 2006. Lui, en 2006, il travaille sur Le Voyage à Alger, dont j'étais producteur. D'accord. Il m'a dit ça demande beaucoup de temps, c'est compliqué, il m'a dit qu'il faut attendre un peu. Moi il m'a dit ça, j'ai parlé avec Bourboune. Ouais. Mourad Bourboune. Voilà. Bourboune, il m'a fait un texte. D'accord. Un texte qu'on a déposé au ministère de la Culture. Qu'on a déposé en 2010. En 2010. Voilà. Le texte il a été accepté. Tel qu'il était, de Bourbon, mais j'ai reçu une lettre de Bijawi, qui était le président de la commission de lecture, qui me disait on a accepté le scénario tel qu'il est, mais il faut réécrire. Hmm. Voilà. Il fallait réécrire le texte original de Bourbon. Il faut réécrire ce texte et il n'est pas. Et j'ai la lettre, lettre. Dans le cas de. S'il conteste, j'ai publié la lettre, je l'ai. Et signée par Bijawi, le président de la commission de lecture d'Ifdatik. D'accord. Il m'a dit Bachir, on vous fait confiance, mais le film, il ne peut pas le financer tel qu'il est. Vous avez l'accord, il faut réécrire le scénario. D'accord. Réécrire le scénario, là, effectivement, j'ai pas choisi Bourboun, j'ai choisi Abdelkrim Behloul. Et réécriture avec l'accord de Bourboun. Dans le contrat que j'ai, moi, je peux prendre, j'ai pas besoin de l'accord de Bourboun. D'accord. J'ai un contrat qui dit que le contrat que j'ai fait à Mourad Bourboun, vous m'écrivez un scénario. S'il me plaît, je vous donne, si le film se fait, ce scénario est utilisé, je vous donne un cachet. Si le film n'est pas fait, je vous donne un autre cachet. Mmh. Et vous récupérez vos droits. Et je vous donne cette option. Le fait d'avoir fait des efforts, mais vous récupérez votre scénario. Ça, c'est dans un contrat que j'ai. Mmh. Donc, je n'ai pas besoin de l'accord de Bourboune et de quelqu'un d'autre pour redévelopper. D'accord. Le. J'ai informé l'ARC. Qui est l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. Voilà. J'ai informé l'ARC. J'ai dit. Je développe le scénario avec Abdelkrim Behloul. Tout ce que j'ai dit, il y a des papiers. Vous avez par écrit. Oui. J'ai dit, c'est Abdelkrim Behloul qui va. Ils étaient contents. Et après, il y a Nadia Labidi qui était ministre de la Culture. Elle était contente, elle a reçu Behloul. Oui. On a même eu une aide à l'écriture pour Behloul. D'accord. De l'ARC, en 2011. Vous. Aujourd'hui, cette version de Behloul a été déposée. Au ministère de la Culture. Les deux. Ouais. Moudjahidine. Et la dernière fois, lors d'une réunion avec les Moudjahidine, quand on a commencé à parler, ils ont été dans les archives, ils ont trouvé la version d'Abdelkrim Behloul. D'accord. Ils l'ont trouvée. Il y a l'accusé de réception. Sauf qu'ils disent que cette version de Behloul, effectivement, elle a été reçue par Moudjahidine, mais elle n'a pas été soumise à la commission de lecture. Mais je leur ai dit, ce n'est pas mon problème. Ouais. Vous avez reçu le scénario avant le tournage. Donc vous ne pouvez pas m'accuser d'avoir triché. Quand on accuse, comme le fait le ministre, quand le réalisateur n'a pas respecté le scénario, quand il change le scénario sans avertir les partenaires, ce n'est pas le cas. Oui. Les accusés de réception existent. Vous avez informé avant. Informé. Mmh. Et le jour de l'avant-première, le premier tour de manivelle, on a fait un truc avec la Villa Susine. Et le Abdelkrim, il était la vedette. Il a fait plein d'entretiens. Mmh. Il a expliqué comment il a écrit le scénario. On ne peut pas venir 3 ans après dire qu'on n'est pas au courant. Ça, c'est faux. C'est faux. Il ne faut pas tromper l'opinion publique. Voilà. Dès le départ, vous avez informé les responsables pourquoi le scénario bien sûr, écrit, bien donc... sûr, bien sûr. Vous pouvez demander à la ministre de la Culture, Nadia Labidi. Elle a reçu Behloul. D'ailleurs, elle non seulement l'a reçu, elle était contente. Et puis le lendemain, elle a organisé l'avant-première de son film Voyage à Alger. Oui. À la journée de la femme.
pour vous dire. Donc, on peut pas accuser aujourd'hui facilement. Il y a des écrits, il y a l'historique des films. Le ministre de la Culture, il oublie qu'il y a l'historique, que les gens peuvent vérifier. Donc lui, c'est un prétexte. Vous pensez que c'est un prétexte pour Non, parce que qu'il est Mihoubi, il est pas informé. Il n'était pas là quand on a commencé le film. Il est venu en dernier, donc il n'était pas informé. Quand on a commencé à travailler sur Ben Mehdi, il y avait Khalid Atoumi, après Nadia Labidi. Donc Ben Mihoubi, il y a déjà trois ministres qui sont passés. Voilà, donc Mihoubi n'a pas fait l'effort de jeter un coup d'œil sur le dossier pour savoir comment ce film a été fait. Il arrive en dernier et il c'est faux ce qu'il dit. Il se discrédite lui-même, parce que demain, si on arrive devant une commission comme ça, indépendante ou un intermédiaire, ils vont tout de suite remarquer que j'ai respecté le scénario. Et d'ailleurs pourquoi on n'appelle pas, par exemple, ce qui est bizarre, pourquoi on ne montre pas le film à Bijawi et donner son avis? Il n'a pas été montré à Bijawi. Pourquoi selon vous? Je ne sais pas. C'est la question que je pose au ministre. Ouais. Pourquoi, puisque aujourd'hui, les conflits qui existent entre les Moudjahidines, entre la commission de visionnage et le réalisateur, c'est plus cinématographique. Ouais. Normalement, on aurait pu faire appel à Bijawi comme observateur. Oui. Parce qu'il a accepté au départ de financer le film, à travers le Pidati. Pourquoi on ne donne pas le film à Bijawi? Prenez-le. Tout le monde respecte Bijawi aujourd'hui. Personne ne conteste son autorité. En tant que cinéaste et en tant qu'écrivain sur l'histoire aussi. Il a beaucoup écrit entre le cinéma et l'histoire. Donc il connaît parfaitement, même sur l'histoire, il connaît. Ouais. Pourquoi on ne le donne pas à Bijawi? Et les Algériens lisent le point de vue de Bijawi. Pourquoi? Et selon vous, pourquoi on ne veut pas le donner? Pourquoi le ministre, par exemple, il a fait venir un journaliste, il lui a montré le film, il n'a pas fait venir Bijawi dans son bureau. Quel journaliste? Salim Magar. Il a vu le film? Oui. Par exemple, normalement, moi, en tant que ministre de la Culture, j'ai la chance d'avoir un gros monsieur comme Bijawi. La première des choses, je préfère mettre Bijawi dans le bain. Monsieur Bijawi, vous avez un passif. Tout le monde le reconnaît. Vous avez une autorité incontestable. Vous êtes très estimé par les Algériens, par les cinéphiles. Vous êtes là depuis le début du cinéma algérien. Voilà ce qui s'est passé. Donnez-nous votre point de vue. Et vous avez déclaré, Béchir, sur Facebook dernièrement que, en reprenant la déclaration du ministre de la Culture, M. Mihoubi, à TSA et à d'autres médias, en disant que. C'est un chantage. C'est un chantage. Production, c'est un contrat commercial. Donc s'il y a un litige, s'il y a des mesures à prendre, c'est pas le ministre qui les prend. Oui. C'est le président des tribunaux administratifs. Oui. Vous pensez que vous allez avoir... Non, c'est lui, normalement, il dit, voilà, s'il y a des mesures, c'est pas lui qui les prend. Oui. Nous avons un contrat, je ne suis pas salarié du ministère de la Culture, pour prendre tout de suite des mesures disciplinaires. Oui. On a un contrat entre trois sociétés. Si on n'est pas d'accord, on est obligé de passer par le juridique, l'aspect juridique, par les avocats. Et ici, donc on ne peut pas aujourd'hui utiliser ce langage. Ce langage, aujourd'hui, il est révolu. C'est pas un langage qu'on utilise contre un partenaire. Est-ce qu'il y a possibilité de trouver une terre d'entente? J'insiste sur la question en janvier pour que le film soit. Moi, je suis optimiste. Moi, je suis très optimiste. Moi, je suis sûr et certain qu'on va trouver. Ben, en tout cas, avec les Moudjahidines, moi, je suis certain qu'on va trouver un accord, à condition que Monsieur le ministre de la Culture se retire un peu, ne laisse travailler, quoi. Ouais. Il est encombrant pour vous. Oui, il est très encombrant. Ses déclarations sont très encombrantes et je commence à réfléchir qu'il fait tout pour entraver le bon déroulement des projections et des négociations. Chaque fois, il se mêle. Vous avez dit au début, quand il a débuté le film, que vous avez fait un film politique, pas historique. Non, c'est un film historique. J'ai pas fait un film de guerre. C'est pas un film de guerre. Non, non, pas du tout. Ouais. C'est pas un film de guerre, c'est un film politique. C'est un film sur l'histoire de la révolution algérienne. Contenu politique, c'est-à-dire, c'est sur les... Parce qu'on a beaucoup parlé, écrit, analysé l'histoire, les tiraillements entre les chefs de guerre, les chefs de la révolution. Ça fait partie de la révolution. Oui. Ça fait partie. Aujourd'hui, quand on rentre, d'abord, dès qu'on voit des historiens aujourd'hui débattre à propos de quoi? De ça. Oui. Vous avez vu des historiens débattre sur une embuscade? Oui. Sur une bataille? Il y a les aspects militaires aussi qui sont importants. Bien sûr. Non, ils sont importants, mais aujourd'hui, on a remarqué ces 20 dernières années que le public veut voir des films de fond. Oui. D'abord, aujourd'hui, les films de guerre ne sont pas crédibles. Pourquoi? Nous n'avons plus de cascadeurs, nous n'avons plus d'artificiers, nous n'avons plus les moyens. Aujourd'hui, un film de guerre nécessite des moyens. Pour faire un film de guerre aujourd'hui, vous allez voir, des films, si on n'a pas 15 millions d'euros,
Vous allez voir le dernier film qui sur un peu un film de guerre qui s'appelle L'ennemi intime de Florian Emilio Siri. Oui. Le film, il a coûté plus de 15 millions. Oui. Pourtant, c'est des batailles dans la forêt. Oui. On n'a plus les moyens de faire de films de guerre. Pour faire des films de guerre, il faut avoir une industrie d'infographie, de vos spéciaux. Aujourd'hui, tout ça se fait à l'étranger. On n'a plus les moyens de faire un film de guerre. On fait quelques films de guerre, mais je vois la réaction des Algériens, ils ne sont pas convaincus. Oui. Vous parlez de quels films Tous les films qui ont été faits récemment. Ouais, ouais. On voit que les effets spéciaux ne sont pas convaincants. Ouais. On voit que les cascadeurs ne sont pas à la hauteur. Vous comparez un film de Rajdi d'aujourd'hui et un film de Rajdi d'il y a 40 ans, vous allez voir que c'est plus crédible que les effets spéciaux de maintenant. Ouais. Vous allez voir le plume et le bâton. Tout est fait d'une manière internationale, universelle, crédible. C'est pas le cas des films qui sont faits 40 ans après. C'est pas la faute de l'HD. Ouais. C'est pas l'HD qui va faire la cascade. Ouais. Moi, j'accuse pas le réalisateur. Pour qu'on soit clair, j'ai jamais accusé le réalisateur parce qu'il a fait des bons films quand il avait les bons cascadeurs, les bons artificiers, les bons techniciens. Ouais. Donc je remets pas en cause du tout le talent de l'HD, pour qu'on soit d'accord. La famille Ben Mehdi du film, est-ce que vous êtes en contact avec eux? Vous savez, la famille de Mehdi, il y a 100 personnes, la famille de Mehdi. Oui, mais surtout la sœur. Non, il y a une sœur aujourd'hui qui vous a un peu critiqué. Vous savez, la sœur, elle m'a critiqué sur un plateau, mais elle m'a fait des éloges pendant 4 ans aussi. Donc, elle m'a pas critiqué, elle a contesté. Elle pense qu'on n'a pas tourné la scène de torture. Oui. Elle le pense. Oui. Voilà. Alors que la scène de torture, elle existe. On lui a dit ça. Oui. On lui a dit ça. Moi, je l'ai eu au téléphone. Elle m'a dit, j'ai pas réussi à te joindre. On m'a dit que tu as enlevé. Je lui dis, moi, j'ai rien enlevé. C'est vrai qu'elle a essayé de me joindre. Moi, j'étais pas là, j'étais à l'étranger. Quand quelqu'un a dû lui dire, Bachir, il a enlevé ça. Elle a essayé de me joindre. Moi, j'étais pas là. Donc, je comprends. Mais je lui ai expliqué que c'est pas vrai. C'est un grand malentendu. Parce qu'elle a contesté le fait que vous avez déclaré à Jeune Après que l'Arabie Mehdi n'a jamais été torturé. Ça aussi, l'article de Farid Alilet, il y a un malentendu. Il y a un malentendu, oui. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'a pas été torturé. Je n'ai jamais dit ça. Ouais. J'ai dit aujourd'hui, les documents qui existent, il n'y a aucun document, à part Osares. Et en parlant de Bijar, je n'ai pas dit qu'il n'a pas été torturé. J'ai dit qu'on a trouvé aujourd'hui les dossiers de Brahim Chelgui, on a trouvé le dossier de Louis Aril Hriz, beaucoup de dossiers, mais on n'a pas trouvé le dossier. Voilà, j'ai dit, il n'y a pas de traces. Y a pas de trace. Mais je n'ai jamais dit qu'il n'a pas été torturé. Je ne peux pas témoigner. Je n'étais pas avec eux, moi, pour dire. J'ai dit qu'on n'a pas trouvé de trace. Mais sommet aujourd'hui, effectivement, les concernés ne lisent pas les interviews, ne lisent les interprétations, les débats, et ça arrive à ça. Il y a beaucoup d'interprétations. Voilà. Mais vous relisez bien l'interview de Farid Alilet. Moi, j'ai dit aujourd'hui, tous les témoignages, que ce soit militaires ou historiens, ne parlent pas de la torture de Ben Mehdi chez Bijar. Mais bon, Osares, oui, Osares, parce que lui-même, il a déclaré, il a fait un livre. Il a avoué. Ça, oui. Et donc, on a d'ailleurs. Schmitt aussi. Voilà. Il a avoué Ben Mehdi, il a avoué l'assassinat de Omri Soudan, 25 personnes. Omri Soudan tué au couteau. Voilà, donc on ne peut pas dire le contraire. Moi, on a parlé de la période là, de 15 jours qu'il a passé au PC de Bijar. Oui. Béchel, vous avez évoqué dernièrement, au moins publiquement, que vous voulez vous intéresser, pour terminer peut-être une dernière question, à Matoub Lounès. Vous comptez faire un film sur Matoub? On a développé un scénario sur Matoub. Vous avez développé un scénario. Il est en évolution, il y a possibilité de... Non, il y a aujourd'hui, nous travaillons sur Matoub. D'ailleurs, même la version définitive, elle a été écrite par Abdelkrim Bahloul. Abdelkrim Bahloul, oui. Qu'on salue. C'est une coproduction. Voilà, c'est une coproduction. Aujourd'hui. Coproduction avec. Avec la Belgique. La Belgique, oui. La France, l'Europe, Communauté européenne, leur image. Ah, il y a plusieurs partenaires. Et en Algérie, aujourd'hui, on a déposé le projet en Algérie pour le financement, pour commencer à développer, retravailler le scénario, parce qu'on écrit un premier scénario. C'est pour ça que les gens sont perdus. Le scénario, on écrit un scénario. Il y a plusieurs écritures. Mais après, on écrit un scénario pour les évolutions aussi. Bien sûr. Ouais. Mais avant le tournage, généralement, on fait la version définitive du scénario. Oui. Parce que ça évolue, parce que le scénario a été écrit, par exemple, généralement, tous les films, les scénarios sont écrits 5-6 ans avant. Oui. On ne connaît pas les décors, on ne connaît pas les acteurs. Mmh. Et quand on choisit les acteurs, on sait comment il va faire, on connaît le budget. À partir de là, on reprend
La version définitive, des fois, un personnage est écrit sur un acteur. Ouais. Quand on sait pas l'acteur, quand on n'a pas réussi à voir l'acteur, on change d'acteur. Et des fois, on est obligé de changer le scénario. Oui, c'est vrai. Donc, vous comptez commencer le tournage pour bientôt ou là, vous voulez terminer avec le dossier de Non, moi, c'est un projet de matos, on ne va pas commencer maintenant. Ouais. Là j'ai encore de travail avec Belmehidi, la sortie. Mais c'est un projet le montage financier en préparation. Peut-être on termine avec une dernière question, M. Abderraïs. Vous avez signé dernièrement une pétition contre Salim Agar après sa nomination comme directeur, nouveau directeur de la Cinémathèque algérienne. Qu'est-ce que vous reprochez à Salim Agar? Moi, je signe la pétition contre Salim Agar. Moi, je signe la pétition parce que j'étais pas content de la manière dont il écrit Salim Agar. J'étais pas content qu'il écrive sur un film qui n'est pas sorti. Il a écrit sur votre film. Voilà, il a pas respecté l'éthique et la morale du journaliste. Quand on voit un film à titre privé chez le ministre, copie de travail. Donc c'est quoi une copie de travail? Pas définitive. Pas la musique, pas le son, pas le mixage, pas les effets spéciaux. Ouais. C'est une copie de travail, juste une copie de travail. La première, dès qu'on a fini la première, je voulais la remontrer. D'ailleurs, cette copie-là qui a posé polémique aujourd'hui, il y a encore 4 copies. 4 versions différentes. À l'époque, les montages son n'étaient pas faits. Aujourd'hui, nous avons le montage son, nous avons la musique. À l'époque, la musique n'était pas faite. C'était une maquette. Aujourd'hui, nous avons la musique. Un journaliste n'a pas le droit d'écrire sur un film. Il le sait, normalement, il doit le savoir. Ouais. Donc, j'ai trouvé que ça sabote un film. D'ailleurs, si vous remarquez en France, par exemple, quand il y a une sortie de film, les journalistes voient le film 2-3 mois à l'avance. Oui. Ils préparent leurs papiers. Il les balance la première semaine. Première semaine. Mauvais ou bon, il les balance la première. C'est le deal. Oui. C'est le deal, c'est le respect, c'est comme ça que ça se passe. Les projections de presse se font bien avant. Oui. Tous les journalistes regardent le film. Il ne vient pas le découvrir le jour de l'avant-première. Il n'a même pas le temps de. Il a une demi-heure pour faire le papier. Non, les journalistes, les critiques de cinéma. Il le voit 2 mois à l'avance, 3 mois à l'avance, 6 mois à l'avance. Oui. Il a le temps de rédiger son papier. Il le prépare bien. Les films sortent le mercredi. Le mercredi matin, les papiers commencent à sortir. À sortir, après avoir vu. Salim Agar, il a transgressé cette règle. Voilà. De vous reprocher d'avoir critiqué votre papier. Oui, je reproche ça. Mais moi, je ne fais pas de lynchage. D'ailleurs, vous remarquez que j'ai signé la pétition, j'ai rien dit après. Ouais. Vous avez dit que c'était votre ami de. Oui. Je suis pas là. Moi, je participe pas à la campagne de lynchage. C'est pas de mes habitudes. Il a fait ce qu'il a fait. J'ai fait ce que j'ai fait. Je passe à autre chose. Ça fait partie du débat quand même. Voilà, ça fait partie du débat. Ouais. Moi, il ne comptait pas sur moi pour participer au lynchage. Il a été nommé. Ouais. C'est fait. Maintenant, il a le devoir de relever le défi. Oui, voilà. Absolument. Voilà. Il a le même parlé chez nos confrères de TSA Arabie et Salim Agar, on aura sûrement l'occasion de l'inviter pour parler un peu de ce qu'il doit faire à la Cinémathèque algérienne. Bachet Deraïs, merci d'être venu. C'est moi merci qui vous remercie. Merci beaucoup d'être venu. Vous avez donné des explications. C'était nécessaire pour qu'on comprenne un peu ce dossier du film de l'Abid Mehdi, le film qui n'est pas encore sorti. Et Bachet est toujours en discussion avec les responsables du ministère de Moudjahidine et du CADC, Centre algérien de développement du cinéma, en attendant qu'il y ait un directeur à ce centre. Pour qu'on puisse aussi parler de moi, je pense, que les ministres devraient se retirer un peu. Laisser les directeurs. Le problème qu'on a en Algérie aujourd'hui, c'est l'administration qui se mêle de tout. Cet esprit jacobin. Oui. Il faut qu'on abandonne cet esprit jacobin. Il y a des jeunes aujourd'hui, il y a des jeunes directeurs qui ils ont besoin aussi de se faire connaître, de s'exprimer, de participer au débat. Oui. C'est la dictature. Oui. Le fait que de d'effacer les directeurs et que chaque fois c'est le ministre. Est-ce que vous voyez en France, en Belgique, au Maroc, un ministre partir d'un film? Oui. Jamais. Oui. Jamais. Il y a le directeur du cinéma ou la directrice. Il faut qu'aujourd'hui qu'on arrive à ça. Quand on arrive à ça, on commence à parler du cinéma. Mais chaque fois qu'il y a un problème, même dans le casting, on voit le ministre s'exprimer. On politise trop les choses. Ouais. Voilà. Ça, j'espère qu'on arrive à ça. Laissez les gens travailler. Laissez-nous travailler. Moi, je suis gérant de la société. Il y a Mustafa Ma'toub qui est directeur de CADC. Il y a Miadi qui est directeur des centres. Laissez-les. Laissez-les s'exprimer. Peut-être au moins ils ont un autre avis. Probablement. Bachir, merci Bachir Deraïs. On reviendra sûrement début janvier. On vous rappellera pour savoir où on est avec ce dossier du film L'Arbi Ben Mehdi. Moi, je suis optimiste. Je rassure les lecteurs, je rassure les téléspectateurs qu'on est en train de trouver une solution. Qu'ils soient rassurés. Ouais. On attend, Inch'Allah, en 2019, on verra votre film. Inch'Allah. Merci Bachir. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On se retrouvera durant la semaine avec d'autres débats. Au revoir.